partir du 1er décembre. Mon œil est ouvert. Je suis entré dans la maison de quelqu'un. J'entre dans cette maison. Je suis entré dans cette maison-là. Je vois à droite de la maison. Je vois quelque chose comme armoire, comme dressoir, quelque chose comme ça. Mais c'est en bois. En bois cher comme ça. Le bois qui coûte cher là. Le bois en couleur marron là. Comme cette couleur un peu claire. Je vois ce meuble-là. Oh, Seigneur, merci. Something good is about to happen. Something good is about to happen. Dieu entre dans ta maison. Parce qu'il veut amener la solution dans ta maison. Je vois un cadre à gauche. Je vois un cadre à gauche. J'entre dans ta maison. Je vois deux portes en face. Je vois deux portes en face, à gauche et à droite. À l'intérieur de cette maison-là. Je ne sais pas à qui appartient cette maison-là. Si c'est ta maison, tu lèves la main. Je vois un armoire à droite. Je vois un cadre. Je vois comme quelque chose fait par la main, quelque chose comme ça. Comment on appelle ça? Sculpture, quelque chose comme ça. Hein? C'est grand comme ça, c'est grand, pas trop. Voilà, j'entre dans cette maison. Un tableau, voilà, un tableau. Tableau, c'est ça, hein? Yes, thank you, Jesus Christ. Je vois les meubles, je vois le sofa, comment les banques, les seats. Fauteuil, canapé, de couleur claire comme ça, quelque chose comme ça. C'est ta maison. Viens ici. J'avais dit que je vais prier pour toi. Acclamons le Seigneur pour lui. Somebody appreciate the Lord. What the Holy Spirit is doing is marvelous this morning. Mais ce que je vois dans ta maison, c'est pas bien. What I'm seeing in your house is not good. Je vois que tu es visité chaque fois. I see that you are visited. Chaque fois, un esprit méchant te visite. A lot of time, an evil spirit is visiting you. Est-ce que tu es marié? Are you married? Ta femme est où? Where is your wife? Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. She's not around. Je vois des troubles dans ta maison. I am seeing trouble in your house. Yes, clap your hand for Jesus. What a mighty God we serve. Parce qu'il y a un esprit qui vient. C'est un esprit de la sorcellerie. Tu sais ça? He knew about it. Confirmation. Clap your hands for Jesus. What an eagle eyes is getting extreme in this place. Je ne sais pas, moi je vais prêcher, mais le Saint-Esprit veut que je prophétise. I don't know, I want to preach, but the Holy Spirit wants me to prophesy. Come on, go ahead and do that, man of God. Go ahead and do that, man of God. Hallelujah. Praise God. Tu habites où? Where do you live? À Paris. À Paris. Acclamons les Parisiens pour les Parisiens. Clap your hands for people from Paris. Comment tu me connais? How do you know us? C'est par Internet. C'est par Internet. It's through the Internet. Et c'est comme ça que tu es décidé de venir nous voir. And you decided to come and see me. Hallelujah. Mon Dieu te visite sur Internet. Hallelujah. Tu sais pourquoi mon Dieu te visite aujourd'hui? Do you know why my God is visiting you today? Because you believe in this ministry. Come on now, come on now. La Bible dit. The Bible says. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète aura la bénédiction du prophète. The one that receive a prophet, a quality of prophet, will receive the reward of a prophet. J'ai même la photo de l'armoire dans mon téléphone. Tu as la photo de l'armoire. Viens, amène-moi la photo de l'armoire. Ah, Roshakatata. He's getting his dream. My God. What a wonderful God. Nous sommes prophétiques. We are CCR and we are prophetic. And we are international. Amen. Hallelujah. Clap your hand for Jesus. Applause. Marabo Shakata. Rekashoto yobo. Yeah, 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 yeah. Regardez. Rabo Shakata. Tu es propriétaire de la maison. Oui. Montre, on ne voit pas bien. Il y a some gaz dans la couture. I'm the owner of this house. C'est ça là, c'est ça là. Oui. Les fauteuils sont là. Oui, et puis les portes. Les deux portes là. Acclamez le Seigneur. Hey, 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 hey. Clap! J'avais dit très bien, j'ai dit un armoire comme un dressoir. Hallelujah. J'avais entendu. C'est pas un dressoir ça? C'est pas un dressoir ça? We thank God for the prophetic gift. Glory to God. C'est beige. Le chaise. C'est beige. Regardez les chaises. Ah yes. Come on, somebody, somebody. Yeah! Hey, hey. What are you waiting for? We serve a powerful God. What a glorious God. Tu as compris? Oui. Sérieusement. Regarde. Vidi. Toi, tu as obtenu grâce. Ceux qui nous regardent, ils vont croire que nous avons fait une combine entre toi et moi. Pas du tout. Tu comprends? Tant pis pour eux. Mais ici, nous sommes prophétiques. Nous sommes prophétiques. Interprète. Nous sommes prophétiques. We are prophetic. Ne bouge plus. And we are international. And we are CCR. Clap your hand for Jesus. Prophétique. Aujourd'hui, je suis dans ta maison. I am in your house. Moi, je suis dans ta maison. L'esprit méchant doit quitter ta maison. Come, lift your hand. In the name of Jesus Christ. In Jesus' mighty name. J'ordonne à cette force de la sorcellerie. I command this power of witchcraft. De quitter ton corps. De quitter ta femme. To leave you and your wife. Au nom de Jésus. In the mighty name of Jesus Christ. Cette force de la sorcellerie. This power of witchcraft. Ce qu'il fait, c'est très dangereux. What he's doing is very dangerous. Il rend ta femme nerveuse. He makes your wife to be very angry. Come on, come on. Confirmation, come on! Reba Shanta! Effectivement. Oh my God. Que ta femme voit cette vidéo-là. Oui. May your wife see this video. It's a confirmation. Parce qu'elle doit dire non à cette force-là. You need to say no to this power. C'est elle-même qui doit dire non à cette force-là. She herself needs to say no to this power. Come on now, come on now. La Bible dit, la femme sage, c'est elle qui bâtit sa maison. The Bible says the wise woman built the house. Come on. Библија каже, значи жена усреди куќа. Hallelujah, somebody. We thank God for this prophetic gift. God is revealing hidden things and giving a deliverance to these people. All the glory be to Him. Je déclare. I declare. Donne-moi l'huile. Somebody give me oil. Rakashanda, your time has come, brother. Ton temps est arrivé. Hallelujah. Mon Dieu est arrivé chez toi. My God have come into your house. Dieu devient ton Dieu. Hallelujah. Qu'est-ce que tu dis? What do you say? Il ne croit pas à ce Dieu. Il est dépassé. Dis-le, dis-le. Non, parce que tout ce qu'il dit là, c'est vrai. Et puis, avant que je ne vienne ici, je priais beaucoup. Je disais à Dieu que vraiment, si cet homme était un serviteur de Dieu, comme dit dans la Bible, I confirm, he's a servant of God. Qui puisse me localiser. Là, Dieu est témoin. Somebody, come on! For Jesus. Somebody appreciate the Lord. Bravo, Shekatayaba. We believe our bodies. Dieu puisse se révéler en lui. que les choses cachées puissent se faire voir. Voilà. C'est ça ma prière. Et j'ai même demandé au frère Norbert, je l'embêtais beaucoup au téléphone. Oui, je l'embêtais au téléphone. Il est là, il est témoin. Et puis tout ce que vous avez dit, c'est vrai. Parce que ma femme, elle est très, très colérique. Il faut me dire, elle fait des dépressions. Elle fait des dépressions. Oui. C'est cet esprit-là qui fait ça. Et en plus de ça aussi, elle était sœur religieuse. Sœur religieuse. Je ne sais pas si elle a signé des pactes, elle a quitté l'église catholique, enfin, elle a quitté la congrégation catholique. Elle avait la tenue en tant que sœur religieuse. Voilà, on a compris. Donc, je ne sais pas si elle a fait des pactes avec le diable, je ne sais pas. Du coup, elle a quitté l'église catholique. Et au niveau de sa famille, les parents, il y a la sorcellerie. Le jour de mon mariage, quand j'ai donné la dot, les membres de sa famille ont remis l'argent. Enfin, sont partis voir les sorciers avec la dot. Avec les magues. Ouais. Et du coup, à la famille, ça ne va pas. Donc, tout chez moi, à la maison, ça ne marche pas. Pendant que je parle, l'esprit qui vient entrer chez toi est fini. C'est fini. Hallelujah. Je vis dans cette maison-là. I see in this house. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Jesus. Il y a des endroits où le Saint-Esprit nous amène, c'est terrible. There are places the Holy Spirit takes us, it's very terrible. Vous dormez, vous ne savez pas ce qui se passe dans vos maisons. You are sleeping, you don't even know what is going on in your house. Il y a des choses qui marchent dans vos maisons. There are things that are walking through your house. Vous le sentez, you feel it. Vous sentez des choses bouger dans la maison. You feel things moving in your house. Mais tu ne comprends pas c'est quoi. But you don't understand what it is. Des présences. Evil presence. Hallelujah. J'ai vu des présences. I saw presence. Jesus, thank you Lord for this revelation. Mais je le finis. But I finish with it. Je suis JP Makanzu. I'm a man of God, JP Makanzu. L'esclave de Jésus-Christ. The slave of Jesus Christ, anointed and appointed for difficult matters. Ta bénédiction. Oh yes, we believe it. L'homme sans tête. Hallelujah. Praise be to God. He is never scared of anything. Mon Dieu te fera comme moi. Ah yes, Lord. Tu vas combattre les puissances de ténèbres. You will battle the kingdom of darkness. Je mets l'huile sur toi. I pour the oil upon you. Father, in Jesus' name. Lord, in Jesus' name. Fais de cet homme un guerrier. Make this man a warrior. Que tous ces sorciers-là se mettent à genoux devant lui. Mais all these witches and wizards bow their knees before him. Reconnaissent le Dieu créateur. That they may acknowledge that the Creator a daté d'aujourd'hui. From today, ta vie change. Your life is changing. Your life is taking a turnaround. Amen. Oh, merci Seigneur. Il vient de localiser notre frère et son histoire change à partir d'aujourd'hui. Que toute la gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Toi, tu as un témoignage puissant, toi. You have a powerful testimony. Elle, quand j'ai appelé quelqu'un qui avait pas mal à l'épaule droite, elle a levé seulement un peu la main comme ça. Après, elle est restée. Et à la fin du culte, elle est venue me voir. Il y a eu une forte délivrance ici d'elle. Il n'y avait plus de caméra. She had a powerful deliverance. There was no camera again. Est-ce que quelqu'un l'avait filmée? Has somebody filmed her? Mais c'était puissant sa délivrance. Après, her deliverance was powerful. Dis-nous qu'est-ce qui s'est passé. Tell us what happened. En fait, pendant toute la séance hier, j'avais une paralysie au côté gauche. I was paralyzed on my left side. Au niveau de l'épaule, en fait. Donc j'ai des problèmes d'articulation. T'as des problèmes d'articulation? Ça fait combien de temps? J'ai eu le diagnostic il y a 2 semaines, mais j'ai eu des problèmes déjà au mois d'avril. J'étais paralysé, oui. De paralysie. Oui, un jour, au mois d'avril, je dormais et puis je me sentais pas bien, paralysé. Oh. Et la nuit, j'ai dit à ma soeur que non, je peux pas, il faut que j'aille à l'hôpital. Et du coup, ma soeur a commencé à appeler les pompiers. Maintenant, pour appeler les pompiers, c'est un peu difficile. Et donc, j'ai insisté, j'ai dit que non, je n'arrive pas à bouger, il faut appeler les pompiers. Ma soeur a appelé les pompiers. On a appelé une deuxième fois parce que la dame nous a raccroché au nez. C'est toujours comme ça ici en France. Et il continue malgré cette histoire-là de la mort de cette fille-là. Et la France est pourrie. J'ai commencé à perdre l'élocution en fait. Je n'arrivais plus à parler. J'ai dit à ma soeur, prends ma pièce d'identité, ma carte vitale. Après, j'ai perdu l'élocution. J'ai commencé à convulser. Jesus! Et au même moment, en fait, je voyais des choses qui se passaient de l'autre côté, en Afrique. Oh. Elle était déjà morte alors. She was already dead. Et quand on m'a amené à l'hôpital, elle continuait à convulser. Et je parlais comment on t'a amené à l'hôpital alors? Ils m'ont porté. Ils t'ont porté? Ouais. Les pompiers ne sont pas venus? Si, ils sont venus, mais c'était l'ambulance, c'était pas les pompiers. Oui. Donc, du coup, quand je suis arrivée, je ne parlais pas, mais je voyais ce qui se passait comme une sorte de cérémonie. Ah. Et quelques jours avant, j'avais fait un rêve où je voyais, on appelait mon père, et moi j'étais venue avec lui en réunion. J'ai dit, mais papa, est-ce que tu connais une personne que j'ai vue qui t'appelait en Kikongo et qui disait des choses, mais moi je ne comprenais pas. Il lui a dit, en gros, je suis contente que tu sois venue. Moi j'étais à côté, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai demandé à mon père, il m'a dit, mais j'ai décrit par rapport à la personne que j'ai vue en rêve. Et après, il m'a dit que non, il ne connaissait pas. Et 3 jours après, j'ai fait la paralysie. Jesus. Les parents, maman était là, ma soeur. Et depuis ce jour-là, j'ai des problèmes de santé. Et, ta maman est où? Maman, c'est... Maman, viens. Ah, c'est elle que j'ai délivrée hier. Ah, Jésus. Ouais, j'arrive pas à... Ça a commencé l'année dernière, les problèmes de symptômes. Mais c'est là qu'on m'a décrit que j'avais une polyarthrite rhumatoïde. C'est quoi? Polyarthrite rhumatoïde, donc ça touche les articulations. C'est un nom compliqué déjà. Ouais. Polyarthrite de quoi là? Rhumatoïde. Ah! Des noms comme ça, tu as ça déjà, donc c'est fini quoi. Condamné. Et depuis là, ça ne va pas. Donc hier, tu étais mal. J'étais mal. Yesterday, you were feeling very bad. Et quand je suis venue, j'ai senti la douleur. Quelque chose qui partait, mais qui revenait, qui partait. Parce que quand je me lève, j'ai la mâchoire. Donc le matin, pour me réveiller, c'est difficile. J'ai la mâchoire qui n'arrive pas à ouvrir la mâchoire. J'ai des problèmes au niveau du genou, droit. Et le bras qui est paralysé. Donc j'arrive pas à lever. Si je lève, ça me fait des problèmes d'articulation. Out! Come out! Come out of her. I command you now. Come out. In the name of Jesus. I command you now. Come out. Come out of her. Come out. Come out of her. Hey. Tu croyais que je te verrais pas? Tu croyais? Vous comprenez ça? Je suis dans leur famille maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Right now. Maintenant même. Right now. Là où tu es, je te paralyse. Non! Je te prends paralyse. Qui es-tu? Dis ton nom tout de suite ici. Tout le monde entendra ton nom. Tout de suite. Maman, hein? Francina. Tu fais quoi dans ce corps? Je t'apprends, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais? Stop, Ravish. Hein? Quoi? Tu es venu la chercher. Pour faire quoi avec? C'est deux choses tragiques. Stop, Ravish. Tu veux la consacrer dans la sorcellerie? Elle veut la consacrer dans la sorcellerie. You want to initiate her in witchcraft. Tu veux la consacrer ou tu veux la tuer? You want to initiate her in witchcraft. Et qu'est-ce que tu as mis dans ton corps? What do you put in your body? Tu as mis quoi dans ton corps? Qui c'est à copo là? Aïe. Nati, namisapinaï, abalate, abaltate, akufanaï. Pourquoi ne doit pas se marier? Pourquoi tu veux la tuer? Parce que tu as la nature de tuer. Écoute-moi, maintenant. Enlève tout ce que tu as mis dans son corps. Allez, tout de suite. Allez, comment? Enlève tout. Enlève tout. Allez, allez, allez. Je n'ai pas le temps de perdre avec toi. Tout de suite. Allez. Allez. Je t'envoie au cimetière, tout de suite. Je t'envoie au cimetière, tout de suite. Je t'envoie au cimetière. Je t'envoie au cimetière. Je t'envoie au cimetière. Je t'envoie au cimetière. Maintenant, Holy Ghost! Fire! Jesus' mighty name. Ici, ça ne blague pas. Here we don't play. We don't play around here. Pas blaguer avec les démons. Ne se grâce aux démons. Je t'envoie dans l'abîme. I send you to the wilderness. Et je t'ordonne de sortir par la bouche. And I command you to come through the mouth. Je ne parlerai pas deux fois. I will not speak two times. Come out of her. Go ahead. Come out of her, you devil. Holy Ghost! Fire! Fire! Organ! Fire! Fire! All of your body. Tous les corps soient consumés. Maintenant, maintenant, maintenant. Celo telo da izgori sad. Le feu dans tous les corps. Celo telo ogan. Celo telo ogan. Son temps est fini. Svoje vreme završilo. Voilà, son temps est fini. Svoje vreme završilo. Son temps est fini. Tu es parti, tout de suite. Si otišao sad odmah. C'est fini. Tu es parti. Završeno. Allez. Idi. Je vais te voir sortir. Hoćemo da te vidim kako izlaziš. Tout le monde va te voir sortir. Sve da te vidi kako izlaziš. Là où cette personne est, gdje je toj čovjek, là où elle se trouve, gdje se nađe, elle ne sait plus marcher. Nema da šeta već, da oda. Fire! Ogan. Marche dans Jesus Christ. Na ime Isus Christ. Là où elle est, gdje se nađe, elle ne sait plus marcher. Ne može da šeta već, da oda. Where she is, you cannot walk again. C'est ça, il n'y a pas autre chose. Tous les sorciers, all the witches, qui aiment envoûter les gens, that bewitching people, ah, leur temps est fini. Their time is over. À Lille, là, leur temps est fini. In Lille, their time is over. Dans ta famille, leur temps est fini. In your family, their time is over. Leur temps est fini. Their time is over. In Jesus' name. Merci, Seigneur. Hvala, Gospodaru. Thank you, Lord. Tu es libre. Ti si oslobođeno. Acclamez le Seigneur. Clap your hands for Jesus. Aplauz za Gospodara. Jeune fille. Young woman. Mlada devojka. Qu'est-ce qui se passe? What is going on? Šta se sluči? Ça va? Ça va. Dans ce domaine. J'ai senti. Ouais, ouais. Quelque chose est. Est parti. Oui. Comme ça. Comme ça. Ouais. Acclamez le Seigneur. Vaka izdašno. Clap your hands for the mighty God. We send the living God.